Dans un nouveau vlog et aujourd'hui je vous emmène à la Planarcon. Donc on sort du truc de présentation, donc c'était un genre de talk, donc ils nous ont donné toutes les infos, etc. On a chanté la chanson, c'était super sympa, et là du coup on s'en va en bas donc pour voir un peu les stands. Donc je vous emmène avec moi pendant ces deux jours. Vous allez voir, je vous disais, pas mal de monde parce que j'ai retrouvé toutes mes copines, donc je suis super contente et du coup c'est parti. Les articles, et ma copine Christelle, elle m'a offert des anneaux, ils sont trop mignons, je suis trop contente. Donc voilà, là on fait un peu le tour et on va aller, je pense, après il y a un workshop avec Philofax. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, je vous emmène avec vous toute la journée, mais là on fait un petit peu le tour. Donc vous voyez, là en fait ça fait un grand hall et vous avez tous les vendeurs tout autour. C'est beaucoup plus grand que la première fois on était venus, ils nous ont dit qu'on était le double, donc tout est en conséquence. Donc j'espère que ça va passer une bonne journée et du coup on continue, on va aller chercher tout ce qu'il y a dans le goodies bag. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai l'intérieur du goodies bag, etc., comme vous avez fait la première fois, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a eu gratuit dans le sac. Du coup, on sort du premier atelier. C'était un workshop, apparemment, avec Philofax, sauf que ce n'était pas du tout un workshop. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue et je pense que toutes les filles sont du même avis. C'était clairement une pub de présentation de produits, voilà. Donc on va passer au prochain, hein, et puis on verra ce que ça va donner. Mais c'est ce que je disais, hein, ça peut pas être pire. Donc là du coup on va à un talk avec Carpe Diem, voilà. Donc je vous tiendrai au courant sur ce que ça donne, mais pour le premier c'était pas la folie folie. First of all, welcome to Planarcon Europe. Yeah. Real fast though, before we get started, I think we need to give Mella and her team a big round of applause. It is a lot of work to pull something like this off, and we go to a lot of these different events, and to be quite honest with you, this is the best. It is by far the best. But, you know, I don't get a very captive audience very often, and so everybody usually wants to hear from Amber and not me. So, but I've got to do one thing before we get started. If you guys will just flatter me a little bit, I've always wanted to do this. Can everybody stand up, please? Okay. Well, you guys can just quit. We're all here, right? Okay, so how many of you guys have heard, this is going to sound stupid, or know of the rock band Queen? I've always wanted to reenact the Queen song. People. So, everybody, let's get our queen on, okay? Are we ready? Here we go. We you were running like a ghost from me. You were running from me.
trop beau. Il y a plein de choses, il y a des petits stickers et tout. Non, franchement, Carpe Diem, ils ont été trop cool. Je vous retrouve, il est 15h30. On a speedé, du coup, j'ai pas du tout vlogué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été au talk avec Carpe Diem. Je vais y arriver. On a été au talk avec Carpe Diem, c'était hyper cool. Ils nous ont raconté un petit peu la création de leur marque, etc. On a eu des super goodies bags, je vous montrerai. On a eu un traveler. Je crois que je vous ai mis des petites images. Et ensuite, on a speedé pour manger. On a mangé en 10 minutes. Et là, ils sont en train de faire une séance photo. Et puis on va sûrement faire un petit tour des boutiques, etc. On va faire une petite pause parce que là depuis ce matin on les enchaîne. De cette première journée à la PlannerCon. Je suis désolée pour le cadrage, j'ai changé mon objectif parce que j'ai toujours mon problème avec mon objectif grand angle. Du coup là il est 22h54, on rentre tout juste du resto. On a été manger avec la plupart des personnes qu'on a vues aujourd'hui, donc franchement c'était hyper cool, on a encore fait de super rencontres. Je sais plus trop à quel moment j'ai arrêté de filmer aujourd'hui, mais j'espère que le fait que je vous ai montré plein de petits passages vous a plu. J'essaierai de vous filmer encore plus demain pour vous montrer les stands en détail, etc. Il n'y a pas énormément de stands marchands. En gros, c'est exactement la même chose que l'année dernière, sauf qu'il n'y a pas Prima et à la place, il y a Craftelier. Après, il y a quelques petites boutiques qui diffèrent, mais dans l'ensemble, c'est à peu près pareil. Au niveau des impressions, bah, pour l'instant, mon impression, elle est plutôt positive. Je vous avoue que ce matin, après le truc de Philofac, je me suis dit, mais mon Dieu. Et non, ça s'est super bien passé, c'est tout. Toujours aussi bonne ambiance, bonne humeur. On a croisé plein de filles. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous à toutes celles qu'on a croisées. Et nous avons croisé un homme, attention. Non, franchement, c'était hyper sympa. Les gens sont toujours aussi cool. Donc non, franchement, c'est que du positif. J'espère que ces petites images vous auront un peu transporté dans l'univers de la PlannerCon. Et en espérant vous en filmer encore plus demain. Je fais des gros bisous à toutes celles qui ont passé la journée avec nous. Franchement, c'était encore hyper sympa. Même ce soir au restaurant, c'était hyper agréable de pouvoir se retrouver, papoter, etc. au calme, enfin franchement c'était super sympa. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker. Je vous fais de gros bisous et du coup on vous retrouve demain. Donc peut-être que le vlog ne sortira pas demain, mais en gros je vous prends avec nous demain pour vous montrer la suite. Et du coup on vous montrera tous les stands, etc. et les workshops du jour. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.